pushing off my sneakers to the ground. I do not jump, I move the earth down. Bear witness to the genius of my sound. Born at the bottom, but now I'm top down. Look, I'ma call it swagger. I slip through time zones like a cloaking dagger. Mad rubies on my chain, you can see your pain bubbling, blood vein. Your girl's in my ear because she's sipping on my champagne. That's right, six figures in my back pocket. And that's right, 1 million in my safe deposit. That's right, I'm trill all day. On my way to a milli, staying real all day. Man, I rejiggered the game plan. Scoop up your girl and she's getting the spray tan. Ha! And it was easy as that. Just a few lines of game and we out through the back. I got a black whip, take it to the streets. In the summer heat, the bass turned up. Leggy blonde on this hot beat. Can't touch me like I make ghosts. You wanna try me, come to my coast. I'm an east side boy and this boy don't play. I leave mad jaws dropped with nothing to say. And I'm a mad rich kid but nothing to pay. Sharp tongue cut you up like a fish fillet. Bird on a wire, singing songs into a fire. You can hear my screeching tire till the moment I retire. But I'm still so young, so I gotta go hard. This is I should stop having 16 bars. I'm laying up, I'm wilding out, I'm leaning in, I'm leaning in. Pushing off my sneakers to the ground, I do not jump, I move the earth down. Bear witness to the genius of my sound. Born at the bottom, but now I'm top down. Holy on the mic when I spit, call me father. Spirit of the king, I take like marauder. Haters gonna hate, ain't worth $1. Don't cry to me, you're a baby, you're a toddler. Damn that nuts in beast mode, constantly keep them chicks in heat. Quite possibly the best of all time, skill with the rhyme. What they say, go read my biography. This is where I get real, real, real quick. Nux deeper than the sea where the water is thick. Darkness falls, but I will rise. Follow in my wake or avert your eyes. History is told by those who win wars. Don't sleep on nuts or fall through trapdoor. Speaking from an endless mind to explore. Bullets start flying, better drop to the floor. I'm staying up, I'm wilding out, I'm leaning in. Pushing off my sneakers to the ground, I do not jump, I move the earth down. Bear witness to the genius of my sound. Born at the bottom, but now I'm top down. Amis pêcheurs, c'est Pierrot, salut. Alors aujourd'hui on se retrouve sur les bords de Seine, je vais partager avec vous une session longue. Je vais vous montrer comment j'aborde la pêche. Sur cette session, j'ai préparé ce qu'il fallait pour. Alors j'ai 40 kg de bouillettes que j'ai roulées. Des bouillettes hautement protéinées, bien carnées. C'est une recette que je ne vous ai pas partagée encore. Pour l'instant, je commence seulement à pêcher avec. Je vais rester une petite semaine ici. Si je fais plus de 20 poissons, je la partagerai avec vous. Je vais vous montrer bien sûr les montages que je vais utiliser. Alors ça va être du simple et du robuste. Deux postes, vous le connaissez parce que l'année dernière je suis venu ici, j'avais déjà partagé avec vous. Alors j'avais fait une courte session de 3 nuits. Sur la première nuit j'avais décroché quelques poissons. Alors j'avais eu plein de commentaires, tu décroches les poissons parce que tu serres trop tes freins, etc. Donc là je vais vraiment partager un peu plus avec vous pour que vous vous rendiez compte. Alors en face on a des frondaisons, ça permet de se rendre bien compte comment ça baigne dans l'eau. Hein. Si les carpes passent là-dessous, c'est fichu, ça c'est certain. Après, tout le long on va avoir du bois mort qui va se trouver bien sûr immergé, dès que la marée va monter. Donc vous voyez, il y en a vraiment tout le long. Il y en a dans le milieu. Et il y en a sur ma berge aussi. Donc là, si vous ne serrez pas les freins, vous n'êtes pas prêt de remonter une carpe. Hein. Ça c'est certain. Le temps que vous arriviez à vos cannes, elles sont dedans, tu es souché direct. Enfin voilà, donc pourquoi faut pêcher avec les freins serrés. On va commencer à pêcher parce que c'est létal, la marée elle est basse, donc j'ai pas envie de commencer comme ça, même si après on pêchera toutes les marées, montante ou descendante, peu importe. Mais pour le départ, j'ai pas envie de jeter de l'amorce quand la marée elle est en train de descendre, parce que les parties qu'on amorce après se retrouvent au sec. Je préfère après commencer à marée haute et puis après au fur et à mesure qu'elle va redescendre, relancer vers le milieu en rappelant sur mon montage. C'est beaucoup mieux de faire comme ça.
Je reste ici une semaine, donc je vais essayer de ne pas gaspiller l'amorçage hein, pour en avoir assez pour toute la semaine. Alors en termes de montage, j'utilise ici des hameçons FF02 de la gamme Force Range de chez LCA Tackle, montés sur un cristal wire également de chez LCA Tackle, avec ensuite une agrafe plomb avec clip plomb métal et un gros plomb 300 grammes pour tenir dans le courant. Au niveau du corps de ligne, j'ai un fluorocarbone. Alors ça fait à peu près un mois que je pêche avec le fluorocarbone. Bah, c'est depuis la session que j'avais partagée avec Jérôme. Je suis très très content d'avoir changé. Je trouve que des avantages. Déjà, il est davantage résistant que mon bas de ligne, ce qui fait qu'en cas de problème, en cas de casse, il y a moins de chances qu'on casse trop et que le poisson se balade après avec une laisse. Et puis aussi, c'est plus souple, plus glissant. Il y a une résistance nettement supérieure au nylon à diamètre équivalent. Ça permet de descendre un petit peu en diamètre, on gagne vraiment en distance et en précision au niveau des lancers. C'est un matériau vraiment idéal, je trouve, pour la pêche en rivière. J'ai fait quelques tests pour m'amuser à frotter sur des pierres, ça et du nylon, et il se trouve que le fluorocarbone est 3 fois supérieur au nylon. Donc voilà, on va y aller comme ça pour cette première nuit. Je vais étaler mes 5-6 kilos de bouillettes partout sur la zone. Je vais mettre mes cannes sur les spots que j'ai l'habitude de pêcher chaque année, hein, parce que je connais très bien en fait ici. Et puis j'espère qu'on va commencer à empiler les carpes dès ce soir. Ça y est, c'est le lendemain, il est 13h. Alors j'ai commencé à pêcher hier à 1h du matin parce qu'on attendait, je vous le rappelle, que la marée soit haute. Donc avec les gosses qui m'ont éclairé pour l'amorçage, j'ai quelques bips pendant la nuit, mais toujours pas de carpe. Là, je suis en train d'installer les enfants. Premier poisson. Bon allez, j'espère la prochaine ce sera une carpe. Deuxième départ pour Damien, une grosse brème. Encore une nuit capot, hein. Je pense qu'il fait trop chaud, c'est pour ça que ça ne mord pas, parce que les carpes sont bien là, hein. Ça saute la nuit. Je revois un petit peu ma stratégie. J'ai fait des bonhommes de neige avec des bouillettes bien flashy, la marée elle est descendante, on va pêcher le chenal où c'est profond. Je vais grainer, hein. Je vais grainer avec le bait roquette, on va mettre du mélange à pigeon et puis je vais remettre quelques bouillettes. Je pense que tant qu'il fera chaud comme ça ne mordra pas, ça sert à rien de changer de place, c'est vraiment parce que la flotte c'est de la soupe. La matinée vient encore de passer sans touche, hein, malgré que j'ai grainé. Donc là, je vais relancer. J'ai préparé des sticks avec de la bouillette grossièrement broyée. Ben voilà, ça ne mord pas du tout avec la chaleur, donc je vais pêcher vraiment plus activement. Là, ce que je fais, c'est que je vais mettre du traceur dessus. Donc ça va faire un gros nuage fluo, hein. C'est un dip traçant en fait. Les sticks, ils sont un peu balèzes, hein. J'aime pas trop quand ils sont gros comme ça, mais ça aurait été chiant de faire plus petit parce que c'est vraiment des gros morceaux que j'ai mis dedans, des gros morceaux, c'est de la bouillette très grossièrement broyée. Comme ici il y a du courant, voilà, la fine particule, j'y crois moyen. Hop. Mais bon, des fois, des bouillettes déjà broyées comme ça, c'est plus attractif. Hein, les carpes, contrairement à nous, ils aiment bien que la nourriture ait l'air d'avoir été mangée déjà par quelqu'un d'autre.
Donc voilà, je vais replacer mes cannes comme ça, le temps de la montante. Et puis après, une fois qu'elle sera bien bien haute, je les replacerai encore de nouveau. Oh, je le vois d'ici, le nuage jaune fluo. Ça, ça va être pas mal, je pense. Au bout d'une quarantaine d'heures de pêche, premier poisson de la session. Alors, c'est un tout petit poisson, petite commune. Néanmoins, elle a fait un départ superbe. Voilà, donc petite commune, bien sauvage. J'espère qu'il va y avoir... Il va y en avoir d'autres qui vont rentrer sur le coup. En tout cas, voilà, un poisson au compteur déjà. Super. Là, pour la remettre à l'eau avec la misère. Marée basse. N'avance pas plus, hein. Je voudrais pas que tu tombes dans l'eau avec mon téléphone. Non, c'est bon, je suis sur la plaque. Ça, c'est la misère. Ça a pris un payé, ça a pris un payé à un beau poisson. Je me suis mis pieds nus parce que je voulais pas saloper mes sandales. Mais c'est plein de cailloux là, ça fait trop mal au pied. Et de coquillages. Ah, ça va, il n'y a pas de coquillages encore ici, mais c'est lourd. Ah, puis en plus, j'ai des vieux genoux, moi, j'arrive pas à m'accroupir. Tu la vois là? Dans la caméra? Ouais, non, on la voit pas à cause du filet. Voilà, là on la voit. Ah. Bon, ben voilà, c'est parti, hein, mon petit montage avec pop-up coloré et puis un stick imbibé de traceurs. Bah, comme quoi, hein, quand on est en galère de touche, des petites approches qu'on a d'habitude dans les pêches rapides, voilà, ça peut mettre un petit peu d'action dans une session. J'espère que maintenant on va avoir quand même du poisson qui va rentrer. Là je vais replacer la canne comme ça, puis je vais quand même mettre quelques bouillettes. Hein. Là je viens d'avoir un gros run, là j'avais les mains occupées. En fait j'étais en train de replacer ma canne de droite et celle de gauche, elle est partie en balle. J'ai ferré, je tenais un poisson qui était certainement un peu plus sympa que celui qu'on a pris cet après-midi. Et je le décroche en fait. Elle a traversé la Seine, elle est partie en face dans les herbiers, elle s'est faufilée dans les herbiers et tac, elle a réussi à se décrocher. Donc voilà, j'ai replacé la canne. En tout cas, c'est bien, il y a du poisson qui commence à rentrer, donc j'ai réamorcé bien sûr. Hein. Maintenant que les carpes arrivent, on va essayer de les tenir ici. Alors troisième départ de la session sur la canne de Damien cette fois-ci. Il nous sort un joli poisson, une belle petite commune. Elle a mené un beau combat à marée basse, donc c'était le bain de boue hein, pour papa. Ouais, jolie fiche. Tu la lèves un peu pour qu'on la voie. La classe. T'es content d'être à la pêche? Ouais, c'est content. Voilà, quatrième départ de la session sur les cannes de Damien, une belle commune hein, qui doit faire ses 6-7 kilos hein, même, qui aura encore livré un beau combat. Voilà, on va aller remettre ça à l'eau tranquillement. 2h30 du matin, hein, je déroule et la carpe longe la bordure. Le combat s'est fait dans quelques centimètres d'eau et paf, je décroche. Cinquième départ pour seulement 3 poissons, hein, pour moi, 2 pour mon fils. Donc voilà, au moins il y a du poisson qui commence à rentrer et là ça bouge, ça saute, etc. Je vais relancer, je vais ramorcer, puis je vais retourner me coucher. Il est 3h du matin,
Je redéroule à nouveau, alors que je viens de décrocher il y a 10 minutes. Et cette fois-ci, je ramène la carpe. Donc, un poisson qui fait un petit peu plus d'une dizaine de kilos. Voilà, jolie commune, bien sauvage, qui aura fait un beau combat encore. Bah, je suis content, la pêche a commencé à se construire, hein, petit à petit. La cadence des touches, ça s'accélère, ça commence à mieux en mieux marcher. J'avais un peu peur à cause de la canicule de faire une mauvaise pêche, mais non, la situation se débloque malgré qu'il fait toujours aussi chaud. Et que demain, il prévoit encore une grosse journée bien chaude. Mais ça n'empêche pas de dérouler. 5h30 du matin, je refais un poisson. Donc c'est une miroir cette fois-ci, pas très grosse, hein, mais avec un très joli écaillage. Bah, je suis content parce que les miroirs, on n'en fait pas beaucoup sur la Seine et encore moins ici. Voilà, en tout cas, beau petit poisson. Je veux te dire, celle-là, tu la reprends avec 10 kilos de plus. Ouais, belles écailles. Sixième poisson de la session, sur les cannes de Damien encore, hein, ça arrache les bras. Hein. Ouais. Heureusement que je l'ai eu du premier coup avec l'épuisette. Hein. Bon voilà, un beau poisson de la Seine. Petit montage tout simple mais néanmoins efficace et solide. Il n'y a pas beaucoup d'activité là sur le poste, mais on essaye de ruser un peu pour arriver à faire quelques carpes. Il n'y a même pas besoin de l'épuisette. Putain, j'en ai rarement attrapé d'aussi petites. Sérieux, j'ai les pieds pleins de boue. Heures et demie du matin, j'attrape le septième poisson de la session. Bon, j'ai fait une décroche il y a une heure environ. Déjà, ça a déroulé quand je suis arrivé au Cannes. Ça a déroulé plus en fait. C'était plus une touche sans suite, quoi. Et là, cette fois-ci, je me suis levé, mais pas pour rien. Voilà, joli poisson sauvage encore une fois. Huitième poisson de la session. Voilà, jolie commune. Bon, bien sûr, hein, j'étais couché, j'étais en train de dormir. Je vais remettre la canne et puis je vais aller me recoucher. Hein. Ok, une canne qui est pliée, je dois avoir une branche dedans ou une touffe d'herbe, un truc comme ça. Enfin, voilà, content, jolie fiche.
neuvième poisson. Ça commence vraiment à bien rentrer. Ça, c'est cool. Un nouveau départ, nouveau poisson. Donc toujours du même gabarit, hein. Super départ. Voilà, encore une commune, hein, typique de la Seine. Bon, quand c'est la canicule comme ça, pensez à bien mettre votre tapis à l'envers, de bien tout détremper, de le mettre à l'envers, que ça garde l'humidité dedans. Et puis, avant de poser un poisson, de bien verser de l'eau dessus, parce que sinon vous risquez de brûler les poissons. Onzième poisson de la session, une carpe commune encore, ça cartonne. C'est très très fatigant de pêcher ici parce que en fait la marée elle, en 3 heures de temps elle est haute et puis après elle descend pendant 7 heures. Donc moralité, tu as plus souvent les pieds dans la boue que sur la terre ferme quoi. Donc ça c'est vraiment compliqué, c'est assez physique. Je commence à stocker de plus en plus d'eau parce que ça, aller chercher de l'eau quand elle est haute comme ça, il faut profiter pour faire un maximum de stock. Donc les seaux où il n'y a plus les appâts dedans parce que je les ai utilisés, je m'en sers pour stocker de l'eau pour essayer de faire le moins d'aller-retour possible parce qu'il me reste encore 3 nuits. Et avec la chaleur et tout qu'il y a ici, c'est vraiment usant, surtout que la journée, il fait une chaleur à crever, tu ne peux pas te reposer. Et puis la nuit, c'est là qu'il y a des touches. Donc là, je commence à aménager mes efforts pour être en forme le soir. En tout cas, ils avaient prévu des orages. Je ne sais pas si on va en avoir pendant la nuit. Ça se couvre petit à petit, mais il fait une chaleur épouvantable, quoi. La vache, elle est nerveuse. Bon bah les amis, hein, 12e poisson, une carpe tout en longueur. Belle carpe sauvage encore. Donc qui est parti sur une de mes cannes. Hein. Donc toutes les carpes qu'on fait depuis le début de la session, c'est avec les bouillettes. Hein. Voilà, on a amené des graines et tout pour amorcer un peu. Finalement, on a pêché un peu les premiers jours à la graine, on n'a rien fait du tout. Enfin, on avait mis une ou deux cannes comme ça pour tester. Ça part que à la bouillette. Donc les graines, on les passe quand même dans l'amorce parce que on consomme beaucoup d'appâts ici. Hein. Et puis voilà, ça paye hein, nos petites stratégies qu'on met en place pour essayer de faire quelques poissons malgré la chaleur. Hein. Bien qu'il fasse nuit là, il fait toujours aussi chaud. Hein. C'est une chaleur étouffante. Tout à l'heure, les orages ont menacé et finalement, il n'y a pas une goutte qui est tombée. Et voilà. Ah yes, 12 poissons. Il est bientôt 5h du matin. Je déroule. Donc je nous fais le 13e poisson de la session avec cette commune encore une fois. Voilà. Jolie fiche qui va rapidement aller rejoindre son élément. À peine 8h. Je déroule sur le 14e poisson de la session. Voilà, je suis content parce que les poissons commencent à rentrer sur l'amorçage. Je vois par exemple celle-là, elle régurgite de la bouillette, faut voir. Hein. Il y en a partout dans le tapis. Donc à mon avis, elle ne doit pas être toute seule en train de bouffer. Je pense qu'on va continuer à dérouler. Donc je vais pas tarder à la remettre à l'eau pour amorcer le plus rapidement possible. En tout cas, ça fait plaisir, c'est que mes bouillettes, elles plaisent aux carpes.
pêche. Départ, c'était une île de mélanote. Alors ici c'est bien, il n'y a pas de chevesne, mais alors par contre ces putains de poissons là, ça on en fait au moins 2-3 tous les 24 heures quoi. Donc bon, c'est pas énorme, c'est pas hyper gênant, mais bon, eux ils doivent en bouffer de la bouillette hein. C'est pour ça qu'à mon avis on n'en met pas de trop hein. Même si j'ai tendance à charger un peu l'amorçage, je crois que c'est justifié quand on voit la taille des poissons blancs qu'il y a ici. Bon allez, on va aller remettre ça à l'eau. Bien joué. Bien joué. On est à 14 poissons. Là, on est en journée. C'est marée basse. On fait très très peu de poissons la journée. C'est difficile de rester longtemps comme ça à la pêche parce que là, ça commence à poser problème. Bon, déjà, ça fait plusieurs jours que j'ai plus de batterie dans la glacière. Donc, j'avais prévu, j'avais pris des trucs qui se mettaient pas trop au frais. Et puis là, à force de regarder la télévision sur le portable, d'aller sur internet, de faire de la vidéo sur les tablettes et tout, parce qu'on a beaucoup de matériel pour se connecter avec les enfants, et à force de recharger ça sur l'allume-cigare de la voiture est en panne en fait, il n'y a plus de batterie. Donc je vais essayer de la démarrer et puis... Ah putain, il y a quelqu'un qui vient. Bon bah normalement c'est bon, il y a un mec là qui vient promener son chien ici de temps en temps. On l'a vu venir, normalement il va revenir avec des pinces, ça nous évitera de pousser la bagnole. Bon, on va voir s'il revient, s'il trouve des pinces. Ça y est, la voiture a redémarré, le gars il est revenu avec ses pinces. Donc il m'a mis un coup de pince, j'ai réussi à repartir. Là ça fait une bonne heure qu'elle tourne, je vais la laisser encore histoire que la batterie soit bien bien chargée. Et puis je penserai à la redémarrer de temps en temps pour finir la session parce que j'ai pas envie de retomber en panne à nouveau. Voilà. Oh, c'est une miroir en plus. Ah, la loupez pas. Ah. Vas-y les Naïcs, il y a un manche à l'épuisette. Hein. Hop, ouais, yes. Oh, elle a l'air d'être belle en plus. 15e poisson de la session, prise par Damien. Une belle miroir. Bah, c'est bien, c'est rare les miroirs ici, et sur cette session, on en a déjà fait deux. Tiens, pivote un peu, qu'on la voit bien. Ouais, superbe. Et de 16, il était timide le départ. Il faut dire qu'il y avait plein d'herbiers pris dans la bannière. Et par contre, beau combat. À l'arrivée, j'en ai chié pour la mettre à l'épuisette parce qu'elle arrivait de ce côté-là, en plein jus. Là, j'ai pas réussi à la faire passer de l'autre côté où c'est plus facile à descendre. Mais voilà, elle est là.
Bah encore, encore une petite commune, voilà. Donc 17e poisson de la session. Par contre j'ai ramené la salade avec. Hein. Putain, j'ai cru que j'avais un gros poisson, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait ouais, ok. Je viens de dérouler, j'ai cassé malheureusement. Depuis que j'ai changé les montages, j'avais perdu aucun poisson. Là, elle a mis le nez dans les herbiers. Pourtant, depuis presque une semaine qu'on pêche là, il devrait y avoir une sacrée trouée hein, à force d'en ramener. Bah, c'est comme ça. 18e poisson de la session. Donc, pour les naïcs, une belle commune. Bon, tu vas peut-être pas arriver à la porter. Hein. Non. Bah non. Voilà. La filmer comme ça. C'est bien, bonhomme. Il est bientôt 10h du matin, je viens de refaire toute la mise en place là, mise en place des cannes, réamorçage. Alors ça a pêché jusqu'à 2h, après quoi j'ai dû relever les cannes parce qu'il y avait le changement de marée, donc avec le changement de marée ça ne tient plus du tout, hein. On est obligé de relever et d'attendre 1h30, 2h avant de relancer. La marée elle a changé à 2h, au départ je voulais mettre mon réveil pour me lever vers 3h30, 4h, remettre en place. Finalement, je ne l'ai pas fait, j'ai décidé de dormir, de me faire une nuit de sommeil complète, sans interruption, histoire de récupérer un peu. Là, il reste 30 heures de pêche. On va essayer de cartonner pour le temps qui reste. J'ai remis de la grosse bite 25 partout sur les coups. Là, il vient de dérouler un truc de malade et il s'est fait démonter. Voilà. Donc, bah, il n'y a plus qu'à refaire le montage. Dommage. Vu le départ, je pense que ça avait l'air d'être pas mal. Hey, tu veux pas passer le paquet? Le paquet, c'est pour toi? C'est ça? Alors là, il est 2h15 du matin, il y a du vent là, qui s'est levé depuis le milieu de soirée à peu près. On n'a pas eu de nouvelles touches depuis que mon fils il a cassé cet après-midi. Ça a été le seul départ de carpe d'ailleurs depuis que j'ai repris ce matin à 9h, après la petite pause de quelques heures histoire de dormir. Là, j'ai dû relever mes cannes parce que la marée commence à monter. On rattaque le dernier créneau intéressant, vraiment intéressant avant de partir. Parce que bah, déjà c'est la nuit et ça va être le plus long créneau. Parce que là elle va monter et après il va y avoir toute la redescente. Donc là on rentre dans un créneau dans lequel on va être vraiment jusque dans le courant de la matinée. Quoi. Donc je pense que s'il y a des poissons à attraper ça va être maintenant. Du coup je prépare, je coupe pas mal de bouillettes en deux, des bouillettes de 25. Et puis je vais mélanger, je vais mettre aussi des bouillettes entières, des bouillettes de 18. J'ai un fond de seau là, 1 kg de bouillettes qui me restait, c'est des bouillettes en 14 mm. C'est des bouillettes aux épices, donc je vais les passer. Depuis tout le début de la session, tous les poissons qu'on a attrapés, c'est avec les bouillettes maison, là, la recette que j'ai faite. On a essayé un petit peu à la graine, ça n'a rien donné, même si après on s'en est quand même servi pour l'amorçage. Bon, c'est consommé par le poisson, puisque sinon à marée basse, on verrait nos graines posées sur le fond. Mais on n'a pas pris de carpe avec, étonnamment, ni tellement d'autres poissons d'ailleurs. Contrairement aux bouillettes qui ont été bien bien efficaces. Ah putain! Ah j'ai cassé! Ah je suis fou, c'était peut-être le dernier départ, faut que je le casse.
Bon, c'était pas un monstre encore. Je l'ai vu sauter en surface quand elle s'est piquée. J'ai pris la canne avant que ça sonne. Et en fait, je pêchais l'extrême bordure en face. Donc, j'étais obligé vraiment de bloquer pour faire demi-tour au poisson. Et paf, ça a pété. Bon, bah, je vais refaire le montage. Bien, dernière tentative. Dans une heure, on s'en va. Bah, je vais relancer une dernière fois les cannes. Avec un petit sachet soluble, on va bien voir ce que ça va donner. Alors, notre session se termine. Alors on fait une soixantaine de départs pour à peu près une trentaine de poissons blancs et une trentaine de départs à carpe. On en remonte, enfin un petit peu moins de 30 départs à carpe. Hein. Je m'avance un peu là. Peut-être 26, 27, quelque chose comme ça. Donc on remonte 19 poissons. On en casse 4 et puis le reste c'est des décroches. Donc soit de moi ou soit des enfants, ça saute. Bah là, il est 16h30, mercredi 12. Hein. Pour rappel, ça fait depuis mercredi dernier qu'on est là. Il est vraiment temps de partir. On n'a plus rien. Les 40 kilos de bouillettes que j'ai amenées, ils y sont passés. Il me reste juste un fond de seau, vraiment pas grand-chose. Je vous avais dit que si je faisais 20 poissons, bah, je vous dirais ce que je mettais dans les bouillettes. Bah, c'est con, j'en ai fait que 19. Hein. Non, bah, plus sérieusement, il y a un mix de base normal comme j'avais montré. Donc pour 30 œufs, j'ai mis 1,5 litre de farine de maïs, 1,5 litre de farine de soja gras, 1,5 litre de semoule de blé. Ensuite, j'ai mis 1,2 litre de farine de poisson LT94 et 30 centilitres de chenvilles moulues, 6 cuillères à soupe de Robin Red. 3 cuillères à soupe de lysine, 3 cuillères à soupe de Razel Hanout. J'ai mis 6 cuillères à soupe de sucre, 6 cuillères à soupe de sel, et j'ai mis 6 cuillères à soupe d'huile de saumon, 6 cuillères à soupe d'hydrolysate de krill, du conservateur, donc 210 ml pour 30 œufs. J'ai mis également un parfum à la hauteur de ce qui est indiqué par le fabricant, un parfum calamar, et puis c'est tout, voilà, c'est déjà pas mal. Donc pour la façon de rouler, vous pouvez faire un tour sur ma chaîne, j'avais montré une vidéo l'année dernière, j'ai rien d'extraordinaire de plus à montrer, hein. c'est le même principe, c'est la même base, après les quelques ingrédients additionnels change, hein, bien sûr, puisque là on a fait une nouvelle recette. Je sens que je vais avoir des questions sur qu'est-ce que c'est la lysine. Donc la lysine, c'est ce qui compose en grande partie les protéines. Donc pourquoi en ajouter, puisqu'on met déjà de la farine de poisson? Ben, simplement que lors de la fabrication des farines, il y a une grande partie de la lysine qui est détruite, ce qui est dommage puisque c'est ce qui envoie le signal de nourriture au poisson, d'où l'intérêt d'en rajouter. Et puis voilà, alors ensuite, la dernière fois que j'avais parlé des appâts, j'ai eu plein de questions, où t'achètes ceci, où t'achètes cela. Moi j'habite près de Beauvais, alors après, selon où vous habitez, après faut vous démerder, hein, parce que moi je connais où j'habite. Après les sites pour commander sur internet et tout, j'en connais, mais j'ai jamais fait, j'ai jamais testé, donc je vais pas vous dire de le faire. Moi je vais, y a des choses que j'achète à Auchan. Ensuite, il y a des choses que j'achète à Decathlon, puisque on a à Beauvais un Decathlon qui est quand même largement plus que correct, hein, qui est bien achalandé, qui est bien tenu, je trouve. Et puis ensuite, il y a des choses que j'achète à Pêche du Beauvaisis, donc c'est dans la ZAC de Terre à Alône, c'est derrière Brico Dépôt. Et il y a des choses que j'achète chez SOS APA à Bornel. Donc Bornel, c'est limite 60-95. Et voilà. Donc très très content de cette session. Ce qui aura manqué à la session, bah, c'est un gros poisson. Parce que ça, quand on reste 8 jours, on aime bien faire un gros poisson quand même. Après, sinon, c'était bien fun. Il y a eu de l'action. Le plus important, les mômes, ils ont fait du poisson. Bah, c'est bien, moi je suis hyper content pour eux. Parce que bon, regarder ton père attraper des poissons, c'est marrant 5 minutes, mais au bout d'un moment, c'est beau, quoi. Donc là, ils ont pu se mettre en action eux-mêmes et puis faire leurs propres fiches. Donc ça, c'est bien cool, franchement. Ça s'est super bien passé, on a eu un temps magnifique. Alors, c'était vraiment le top. Hier, ils avaient un petit coup de cafard de repartir, mais là, ils sont pressés. Il n'y a plus rien à bouffer, il n'y a plus rien à boire.
Il commence à s'impatienter. On va s'arrêter à la première ville venue là pour bouffer un truc bien gras, bien dégueu. Et puis voilà. Et puis après on va se rentrer à la maison, ranger tout le matos, tout nettoyer et tout. Donc là j'en ai bien pour un jour ou deux à tout remettre d'aplomb. Moi ici on reviendra, de toute façon je viens tous les ans, on reviendra peut-être même cette année, on verra si j'ai le temps, on verra l'inspiration que j'ai. J'ai aussi Hélène où j'avais commencé à faire une vidéo la dernière fois. J'aurais bien voulu continuer là-bas, mais c'est vrai que quand il fait beau comme ça, il y a pas mal de pêcheurs, il y a pas mal de pression de pêche. Donc j'attends, j'y retournerai peut-être plutôt vers cet automne. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi à nouveau. On se retrouvera bientôt au bord de l'eau. Ciao! J'ai bien fait de vous la partager, la recette, je vous avais dit à 20 poissons. Promesse tenue, voilà le 20e. Juste avant de partir, j'allais remballer les cannes et je l'ai eu. Ah bah, elle est bien noire. Hein. Bon, elle n'est pas bien grosse, toujours pas de gros fiches. Mais par contre, cette souche-là, là, on n'en avait pas encore attrapé depuis qu'on est là. Donc ça, c'est bien, bien cool. Yes! Bon, par contre, elle a un œil bien gonflé. Hein. Là, c'est cool, ça fait plaisir. Objectif atteint, 20 fiches. Allez, on y va. Thank you.